Cette rencontre franco-allemande est organisée pour la première fois par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et rassemble donc 110 jeunes ici pour la compétition sportive, pour l'échange culturel et pour des activités, pour l'échange sur des thèmes, sur trois grands thèmes. Qui sont la prévention des risques, la lutte antidopage et la double carrière. Das waren die drei großen Themen, die sich durch die vier Tage Veranstaltung gezogen haben. Da haben uns wieder die Experten unterstützt, Herr Gerhard Treutlein vom Zentrum für Dopingprävention in Heidelberg und Herr Patrick Magaloff vom Comité Olympique Sportif Français. Kreatin, Doping? Est-ce que la Kreatin, il s'agit du dopage? Richtig oder falsch? Salut, madame. Les sélections sont des sélections régionales. Ces jeunes sont répartis en 8 équipes. Ils ont entre 14 et 15 ans. On a joué avec eux. Et le but de notre animation, c'était toujours d'entrer en contact entre les Français et les Allemands. On a fait un travail corporel et on a aussi sensibilisé les jeunes sur le franco-allemand au sens où on a fait des ateliers avec qu'est-ce que vous pensez des Allemands, qu'est-ce que vous pensez des Français. Sinon on a repris le thème du sport au niveau vocabulaire, au niveau des jeux, pour entrer en contact direct avec les jeunes. Jede Menge Sprachspiele. Wir sind auf den Sportplatz rausgegangen, sind gelaufen, den Wörtern hinterher und haben mit denen gespielt. C'est le parlement allemand. Sich. Mais je savais, je vous ai dit que c'était un W, le vin, le vin. Il n'y a que des Tréments ici. Oh, oui. Und uns war besonders wichtig, dass wir über den Sport hinaus, wo der Kontakt ja auch direkt ist, nochmal eine andere Ebene schaffen, um den Jugendlichen hier die Möglichkeit zu geben, sich näher kennenzulernen. J'espère surtout que les Français ont fait des progrès dans leur apprentissage ou la découverte de la langue allemande et des Allemands dans la découverte de la langue française. Allô, oui, Interactif, maison d'édition franco-allemande, Brigitte Bourdon, je vous écoute. Les chambres étaient binationales, donc un handballeur allemand se retrouvait ensemble dans une chambre avec un handballeur français. Et les animateurs linguistiques ont essayé de leur faciliter un peu l'arrivée. Donc ils ont appris des petites phrases, des petits mots qui peuvent, pour la communication nécessaire pour le quotidien. Alors vous allez devoir vous mettre en cercle et vous faire passer le ballon, sans vous aider de vos mains. Le retour est très positif, même si au début il y avait pas mal de réticence ou peut-être aussi un peu de peur. Comment est-ce qu'on va parler l'un avec l'autre? Ils semblent être de plus en plus à l'aise. On voit maintenant beaucoup de groupes franco-allemands se promener ensemble ou jouer ensemble dans les moments de temps libre. Ils ont fait des grands efforts et on voit qu'ils sont aussi motivés. Links, auf Wiedersehen. Rechts, Ligue. Radar, Surprise. Salut, tout le monde. Bonjour, ça va? Ich liebe dich. Auf Gubisch. Les activités, bien ça, c'était bien. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr. Machen wir weiter? Wir hoffen auch, dass die Jugendlichen einfach die Erfahrung von hier mit ihren Alltag reinnehmen und einfach das freundschaftliche Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich darüber hinaus bewahren. Genau. Très intéressant. Ouais, c'était très intéressant. C'était vachement bien, c'était une bonne expérience.